That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Alors, l'élève, bien sûr, pour compléter tout ce 13 ans d'études. Mais ce qu'il nous peut dire, c'est qu'au début, ça 9 ans-là, tous les élèves visaient dans la possibilité de faire ça 9 ans-là. 6 ans dans le système primaire. Ensuite, 7 to 9 dans le système secondaire. Et par la suite, 10 to 13, toujours dans le système secondaire. Depuis grade 1, nous venons avec le Primary School Readiness Program. C'est-à-dire le professeur de la classe, quand il recevait un jeune qui peut venir de l'école préscolaire, il gagne un temps qu'il est capable d'évaluer, assesser, atteindre ce bon élève pour qu'ils soient prêts avant qu'il entame ce curriculum de grade 1. Ensuite, c'est le Early Support Program qui débute avec grade 1. C'est une possibilité assurée que tous enfants suivent cette classe et que si jamais il y a une difficulté d'apprentissage, c'est taken care of dès grade 1. Nous voulons assurer qu'il y a un jeune au niveau du primaire, nous encadrer les autres, nous permettre aux autres d'avoir un développement complet, et cela, que ce soit pour le développement émotionnel, pour le développement social, pour le développement physique, votre créativité et tout ce qui s'appelle esthétique, toutes ces bonnes possibilités nous a donné un jeune et déjà un professeur qui pour et non la responsabilité de Holistic Development, déjà je peux suivre ce bon training au niveau de la MI. Le Written Assessment, qui nous appelait un examen, un assessment, une évaluation écrite. Et cette évaluation écrite là pour tout bon core subject, c'est-à-dire l'anglais, le français, les mathématiques, histoire, géographie, sciences. Et bien sûr, pour les langues orientales, arabiques, créoles mauriciens et autres. À part cela, nous prenons le School-Based Assessment. Et ça, c'est surtout pour ban non-core subjects. La première année, en 2017, le seul non-core subject qui prenons, ce sera le Communication Skills. Nous les permettons à ce qu'il y ait un jeune capable d'apprendre avec beaucoup plus d'aise, qui peut nous pression aux autres. Alors, deux sujets. Histoire géo et les sciences pour venir en forme de module. Un module qui est l'enfant pour finir faire et par la suite, il peut composer un deuxième module dans un deuxième temps pour qu'il n'y ait pas tellement pression au livre. Tous les élèves, pour passer de grade 6 à grade 7, c'est-à-dire il y a une transition de 100%. L'admission en grade 7 après grade 6 va se faire sur une base régionale. Et, bien sûr, nous avons servi les mêmes critères actuels pour l'admission dans les écoles régionales, parental choice, grade aggregate, et bien sûr, la proximité de la résidence à l'école. Les élèves qui ont une vitesse, un pace of learning qui est différent des autres, auront un encadrement spécial. Pour les élèves qui démontrer une difficulté d'apprentissage, le grade 7 to 9 peut être étendu sur 4 années au lieu de 3. Les classes où il y aura un élève qui peut un léger retard sur les autres, ces élèves-là, nous pouvons avoir une smaller class size et nous pouvons opter pour une classe de 20. 12 des National Colleges sont convertis en académie et cette académie-là peut admettre seulement des élèves en grade 10, c'est-à-dire la forme 4. L'élève qui termine ce grade 9 est dans le choix de continuer dans ce même établissement scolaire ou, si ce résultat permet de lui, se faire admettre dans une académie ou bien, s'il choisit pour faire lui, à un vocational training center. L'Early Digital Learning Program pour débuter l'année prochaine et nous penser qu'il est dans le first quarter de 2017,
nous prenons la possibilité d'offrir une tablette à nos enfants de grades 1 et 2, une tablette pour rester à l'école à la fin de grade 9 pour la première fois en 2020. Nous prenons le National Certificate of Education. Et ça, National Certificate of Education, là, les points d'évaluation qu'il faut faire à la fin de grade 9 et qui peut permettre la transition de grade 9 à grade 10. Et une fois qu'il nous fait ça, une série là, l'élève prenant le choix, soit de continuer dans l'établissement scolaire qu'il a trouvé, soit se faire admettre dans une académie, et soit, comme on dit tout à l'heure là, il est capable de choisir pour la formation technique, pour être admis dans un vocational training center. Nous prenons aussi 16 additional regional scholarships qui pour introduire à partir de janvier 2019. À partir de cette année-ci, nous venons avec un scholarship pour des élèves avec disabilities. On débute cette année-ci avec 5 scholarships.